Si les réformes enclenchées par le président de la République Idriss Déby Itno ont permis au domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication de prendre de l'envol, tel n'est pas le cas de celui des postes. 20 ans après sa création, la Société tchadienne des postes et de l'épargne peine à remplir ses missions. Pourtant, elle dispose d'énormes potentialités. La poste est un secteur qui a un atout important en matière d'inclusion financière, surtout dans les pays où on a un taux de bancarisation très faible. Malheureusement, faute de modernisation de ses capacités de production, n'est-ce pas, et que la société a fonctionné sous des perfusions, et quand vous savez une entreprise est sous perfusion, ou bien même individuellement si vous êtes sous perfusion, à la longue, si on ne traite pas la pathologie qui vous ronge, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et donc, la nature ayant horreur du vide, la poste n'a pas su profiter des atouts qu'elle a pour se développer et offrir des services de qualité. Et du coup, cela a donné des occasions au secteur informel qui s'est substitué. Donc quand aujourd'hui on voit que le secteur informel dans le service financier ou dans le service postal se développe fortement, ça veut dire que c'est un secteur, le secteur postal a beaucoup de potentiel. Le Forum Tchad numérique est pour la Société tchadienne des postes et d'épargne une aubaine pour retrouver ses lettres de noblesse. Nous saluons l'organisation de ce forum parce que c'est rare où on fait des évaluations de politique et je pense que c'est une opportunité pour nous, je pense, au cours de ce forum, de voir, n'est-ce pas, comment jeter les jalons d'un développement d'une nouvelle poste qui soit une poste de proximité, mais qui est une poste qui, à la fois, qui est crédible, qui est rentable, mais aussi qui offre des services tant pour les téléservices de l'État, pour le recouvrement des recettes de l'État et tout cela, mais aussi pour l'ensemble de la population, pour qu'au moins cette population défavorisée, surtout des régions, puisse accéder, n'est-ce pas, aux services postaux et financiers de base. Daoud El Hadj Adam rassure que la Société tchadienne des postes et d'épargne ambitionne d'être un vecteur de développement du Tchad grâce à la numérisation de ses activités.